comme mon grand ami Perrault m'a dit, avec McCree, tu devrais pas tirer plus que 3 fois sur une Pharah pour la tuer. Effectivement. Donc, les balles de McCree qui font 60 ou 70? Oh, je te pose une question à l'instant. Je pense que c'est 70 dans les headshots, mais je suis encore pas sûr. Donc il faut vraiment que tu vises la tête. Pa, pa, pa. Alors, si on regarde directement les compositions, on a donc... j'ai même pas vérifié si j'avais le bon. Oui, j'ai le bon. Merveilleux. J'ai le bon overlay à la bonne place. Donc, si on regarde directement les compositions, on a du côté de Windstorm, on a un Soldier, Zarya, Mercy, Lucio, Roadhog et Pharah. Donc, à ta demande, on a directement une possibilité de machine à laver. À l'opposé, on a May, Winston, Mercy, Soldier, Roadhog, pardon, et également Lucio. Donc, c'est parti, les premiers échanges de tirs sont lancés. On a Nazgul qui va se faire hook, qui va heureusement survivre, va être shieldé. Beau travail de Arzik, le beau shield au bon moment. Toujours aucun kill d'un côté et de l'autre. Faceless God qui était plutôt bas. Et là, Killan qui se retrouve complètement à l'arrière de l'équipe adverse va tomber à Arzik, face à Arzik. On va éliminer également Faceless God. Et le premier kill du côté de Windstorm va être Bidets qui va perdre sa vie face au Roadhog de Godavid. Et on va finalement aller chercher Et là, Nazgul qui va le tomber dans le trou. Le beau hook de la part de Godavid. La belle élimination. Aller chercher un personnage qui causait problème. Et là, on vient tout juste de manquer un hook sur la Pharah de Moneymaker. Godavid qui va venir se placer ici sur le flank, assisté par sa Mercy. On lance le Whole Hog. Un Whole Hog qui fera pas grand chose malheureusement. On va éviter un hook de justesse. On va retourner voir sur le point qu'est-ce qui se passe. Donc on a Nazgul qui va venir chercher la Pharah de Faceless God. Et là on vient de perdre également Godavid qui était sur le flank. Mais on va lancer le res. Lady Ska qui va lancer un res rapidement. Et là Nazgul qui se retrouve seul sur le point pour défendre. Réussit encore à contester. Le point va être capturé à l'instant. Donc 44% pour Windstorm. Et c'est... on lance le Visor pour éliminer Faceless God. On va aller chercher Lady Ska par la suite. Et finalement, un triple kill pour Nazgul. Très bien exécuté. Donc le beau flank. Encore une fois, le Visor qui a été lancé au bon moment. Rien pour bloquer le dommage. Là... on a Khazar qui va se rapprocher tranquillement. La Pharah qui est loin devant. On va aller voir justement le point de vue. Tiens, on va aller voir le point de vue de Bidets qui a son Roadhog de près. Max Akka qui lance le Visor va devoir fuir face au Roadhog de Bidets. Va recevoir un hook. Et pendant ce temps-là, Loki, Moneymaker est allé faire un beau triple kill avec le Reign of Vengeance. Le Reign of Justice, pardon. It's raining justice. Le Reign of Justice qui va être lancé dans le backline. Le beau triple kill. Et là, on a Windstorm qui se place loin devant. Défense agressive. Puis on va aller voir le point de vue d'un attaquant. Donc, Max Akai qui est sur le point en ce moment avec la Tracer. On a deux ultimates du côté de Windstorm. Un seul ultimate du côté de Khazar. On vient de perdre Moneymaker. Faceless God qui va aller éliminer Bidets avec le Reign of Justice, justement. On vient de lancer le res de la part de Yante, donc le fight va devoir reset. Khazar qui semble encore être en avantage. On a Max Akai qui fait énormément de travail. Moneymaker qui va aller chercher rapidement un double kill. Moneymaker, encore une fois, excessivement puissant sur sa Pharah. Va se retrouver face à face avec Faceless God. Va réussir à sortir du puits à l'instant. J'ai eu un peu peur pour Moneymaker à l'instant. Et donc, le premier round qui va aller à Windstorm. C'est donc 1-0 pour Windstorm sur Ilios. Donc toi, à ton avis, qu'est-ce que Khazar doit faire pour pouvoir surpasser Windstorm au deuxième round? C'est qui qu'on doit counter, c'est qui qu'on doit pas laisser... C'est difficile à dire, mais je dirais que le manque de front line de la part
Donc, de la part de Khazar, peut-être qu'on devrait changer, mais aller chercher autre chose. Mais qui est habituellement très, très forte sur les control points comme ça. Mais je pense pas qu'elle a été capable d'aller chercher cette valeur-là. Puis, Moneymaker, qui est encore une fois excessivement puissant sur la Pharah, qui donc on a peut-être un problème au niveau du hitscan, aller chercher la Pharah. Et là, flanc gauche qui va rapidement se positionner sur le point, qui se place, et là, Faceless God qui va passer par-dessus la troisième corde, qui va être envoyé au respawn par Broccoli. Et le Bidets qui est sur le Winston, qui a dérangé énormément, va aller déplacer Max Akai, le sortir de sa position. Le gars David qui se retrouve face à va se retrouver face à la Pharah de Moneymaker. Tiens, on va aller justement prendre le point de vue de Moneymaker ici. Encore une fois, Moneymaker qui encore cette semaine semble être un problème pour l'équipe adverse. Et comme je dis ça, il va être hook immédiatement par gars David. Donc le caster's curse comme on dit. Et là Max Akai qui va aller chercher un double kill pour clearer le point. Pour venir amener la capture. Donc je dirais cette ronde-ci, Khazar qui a été énormément plus agressif sur le point, qui se sont placés rapidement. Leur soldier qui était toujours en bonne position sur le high ground. Et là immédiatement le soldier qui lance l'agression face à Moneymaker. Et là on a Bidets qui va rentrer rapidement sur le point. On a Oulilac maintenant sur le... On va être... déplacé complètement. Beau travail de Bidets qui a lancé le ultimate, qui a envoyé deux joueurs à l'extérieur. Et là, le Rez de Mercy qui est lancé. Malheureusement, Rez qui ne peut pas ramener des joueurs qui ont été sortis de la map. Énorme travail de Bidets durant ce fight-là. Un double fight finalement qui a été gagné grâce à la force de Bidets entre autres et de Nazgul sur le Soldier. Le Soldier qui a en ce moment son Tactical Visor de près. On va attendre de voir ce qui va se passer. Moneymaker qui est très 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 agressif. Puis on a Nazgul sur le backline qui protège les arrières finalement avec le Soldier. On vient de lancer le Tactical Visor, c'est parti. On va être éliminé par Max Akai. Beau travail au niveau du Helix Rocket. Et là Arzik qui tente tant bien que mal de sauver le combat. Le ult de mec qui est lancé sur le point. On va réussir à capturer le point, je crois. On a encore Bidets qui est présent. On a encore Arzik qui sont prêts. Le point n'est pas encore capturé. On va vraiment tenter le tout pour le tout. Et là, Bidets qui, encore une fois, lance les grosses baffes. Envoie tout le monde par-dessus la troisième corde. Le res qui a été lancé, mais encore une fois, un res qui ne peut pas aller sortir les joueurs du trou. Donc, un res qui est pas parfait, finalement. Là, on a vraiment un problème avec Bidets qui cause énormément de problèmes pour Khazar. Donc, il a empêché, avec l'aide d'Arzik, la capture complète du point. Donc, il se retrouvait à 2 contre 6. Ils ont réussi. On va perdre Broccoli du côté de Windstorm. Godavid qui va venir le chercher. Moneymaker qui va venir chercher un double kill avant d'être éliminé. Nazgul également un double kill. La capture va être complète. C'est donc 2 à 0. Et Arzik qui se lance lui-même par-dessus le rempart. Jusqu'au tréfonds. Au fond de l'océan. Pas easy. On se retrouve maintenant sur la troisième carte, la carte des ruines. Encore une fois, une carte de prédilection pour Pharah, vu l'espace vertical qu'on a aux alentours du point. Puis également, ce petit espace ici, face à la statue, qui est un excellent espace pour envoyer des gens pâturer dans sur les côtés de la montagne. Donc on va voir encore une fois Moneymaker sur la Pharah. Qui va être supporté par Mercy cette fois-ci. Donc Pocket Mercy sur la Pharah. On va aller chercher sur le côté. On va bien focus Lady Ska. Deux direct hits sur la Mercy. De très très loin. Et on va aller
porter l'agression sur Max Akai qui va réussir à éliminer Moneymaker. Et là, on va suivre Bidets qui... J'étais tellement concentré sur la Pharah que j'ai pas vu que Nazgul était sur Widowmaker. Donc, le premier kill de Widowmaker. Faceless God qui est également sur, sur le Junkrat. Donc, utiliser la configuration de la carte à son avantage pour le spam de loin. On va aller chercher Godavid qui était loin derrière son équipe. Et là, on se retrouve en 5 contre 6. Donc, en désavantage numérique pour FLG Khazar. Et le Bidets qui est encore une fois très agressif va s'en aller loin devant. Va être assisté par Arzik. Et là, Kellan sur Ana qui était loin devant son équipe, devant tout le monde, face à face avec Bidets et Arzik. Pas le meilleur endroit. Et là, Moneymaker qui dérange encore une fois, dérange énormément. Nazgul qui va aller chercher des kills low-key une fois de temps en temps. Donc, un double kill pour Nazgul ici avec, avec la Widowmaker. Donc, le premier sur le Soldier. Et là, encore une fois, Windstorm qui est très dominant. Khazar qui a excessivement de difficultés à avancer. Et là, sneaky de Moneymaker qui va se placer à l'intérieur. À l'intérieur d'un buisson, attendre l'équipe adverse. On lance. Ouf! On vient de lancer le Graviton Surge. Quad kill dans le Graviton Surge, dont 3 faites par le Reign of Justice. Et là, on a quelqu'un sur le point en ce moment. C'est. Est-ce que c'était le. J'ai pas vu qui était sur le point, mais le point a été capturé. Quel âme, non? Donc, il y avait quelqu'un de Khazar sur le point qui a réussi à capturer. malheureusement, ça le point est toujours en con. Vient d'être capturé par Windstorm. Voilà, c'est fait. On va suivre Mercy. C'est pas très intéressant. Donc, on va aller voir Arzik. Donc, je ne sais pas comment on appelle le combo. On va devoir lui trouver un nom, le combo entre le Graviton Surge et le Reign of Justice. C'est un style de machine à laver, mais un style différent. Ouais, non, il n'y a pas de tourniquet, ça peut pas être la machine à laver. Non, c'est ça. Va te pleuvoir, ça sera pas bien long. Non, je pourrais trouver de quoi. Et donc, Khazar, qui est maintenant très agressif sur le point, vont venir se placer rapidement. On est maintenant en overtime, on a un moins 3 déjà du côté de... Et là, Moneymaker qui va venir sceller le contrat avec, avec le Reign of Justice pour permettre d'aller chercher le premier point du côté de Khazar, de Windstorm, pardon. Donc Windstorm qui marque le premier point. Le play of the game de la part des Bidets. Ça va être... Donc justement, le... Le moment où Bidets et Arzik étaient seuls sur le point de leur équipe qui sont allés chercher, donc bloquer la capture complètement. Le double kill avec les environmental kills. Donc 4 environmental kills de la part des Bidets. Et on va lancer le Legendary pour Lady Ska QC in-game sur King's Row. Et donc, on va avoir Windstorm en attaque. Ouais, Windstorm en attaque. Ou en défense. Non, c'est Khazar qui attaque, je crois. J'aime pas comment on peut pas voir quelle équipe est de quel côté avant que le Assemble Heroes soit fini. Voilà, c'est parti. Donc, c'est l'inverse, c'est... L'inverse de ce que je disais, c'est Khazar qui va attaquer en premier. Puis Windstorm qui va défendre. Alors on a Nazgul sur le Soldier, Arzik sur le Reinhardt. Donc on va aller vraiment avec une bonne défense statique avec le Bastion également. Donc Moneymaker sur le Bastion. Bidets qui va être sur le Roadhog, Broccoli sur Ana et Yante sur Mercy. À l'opposé, on a sensiblement la même chose. Donc, on a Soldier Reinhardt, Roadhog, Mercy. Puis, les deux picks différents. On a Max Akai sur Tracer et Kellan sur le Lucio.
Donc sans surprise, une composition plutôt standard d'un côté et de l'autre. On va voir comment ça va se passer. On va aller voir la position de Moneymaker ici. Donc très bien placé derrière son Reinhardt, pardon. Et c'est parti, les premiers échanges. Beau travail de... beau travail de Khazar qui est allé se déplacer rapidement, sortir du line of sight du bastion. Et là, on va avoir un bel avantage. Donc, on a Soldier ici, Faceless Gun. Et on va aller chercher directement le bastion. Réponse rapide, par contre, le bastion qui va se déplacer. Le Reinhardt qui va se déplacer très rapidement également. Donc, on a une attaque en pince avec le Soldier et Tracer. Malheureusement, Tracer qui a été éliminé, je crois. J'ai pas eu le temps de le voir. Non, il est encore en vie. J'ai pas vu la première élimination. C'était qui? C'était le Reinhardt qui a été éliminé en premier. Ou Lilac sur le Reinhardt. Mais j'aime beaucoup ce que je vois en ce moment de la part de Khazar. Donc on cause problème au Reinhardt ennemi en posant nos deux DPS d'un côté et de l'autre. Donc et le Faceless God qui forcément a un hook en pleine poire va être éliminé. Le Bidet qui est encore une fois va tenter de contester le point et sur le point à l'instant. Et là on a Nazgul qui lance le Tactical Visor. Est-ce qu'on va réussir à empêcher la capture? Il semblerait que oui. Bidet, le héros de la journée. Lady Ska QC qui s'amène avec le res par contre. Le point va donc être capturé par Khazar. On va devoir reculer du côté de Windstorm, pardon. Encore une fois, Bidet et Arzik qui semblent être des joueurs tellement efficaces. Les deux qui, ensemble, vont empêcher la capture des points. De l'énorme travail. Par contre, j'aimerais dire également que Khazar ont rendu la tâche difficile à Arzik. Donc, en se positionnant en pince d'un côté et de l'autre, avec le Soldier et la Tracer. Donc là, on a une avance tranquille. Le payload avance tranquillement. On a Faceless God qui va venir chercher le... C'est lancé, on lance le Tactical Visor. On va être sleep immédiatement. Hook en pleine poire. Suivi d'un coup de pompeux. Dans le visage. Pompeux. Dans la Cayenne. Et là, on lance un Earth Shatter. Malheureusement, Earth Shatter qui va être plutôt inefficace. Donc Earth Shatter qui va être lancé malheureusement, où Lilac va être éliminé immédiatement. Et là Nazgul qui va aller chercher un double kill tranquillement pendant que l'équipe adverse retourne vers le payload. Donc on a 3 ults pardon, du côté de Windstorm, un seul ult du côté de Khazar. On est maintenant sur le point. Je vais essayer d'aller chercher un point de vue intéressant. Tiens, on va aller chercher Godavid qui va aller chercher Moneymaker. Très beau hook. Va être sleep par contre. Est-ce qu'on va perdre notre Roadhog? Effectivement, on vient de perdre le Roadhog par Bidet. Donc le Roadhog adverse. On vient de lancer un Tactical Visor de la part de Nazgul. Et on va aller chercher l'élimination complète de l'équipe adverse. On va devoir resetter le... pour un prochain push. Donc Windstorm qui est très efficace dans ce petit tournant de la map. On a seulement un ult, je crois, qui a été lancé de la part de Windstorm. Donc on a encore deux ults de disponibles. Et là, Nazgul qui se retrouve face à face avec Max Akai va tenir son point. Et on va aller chercher Moneymaker pour les renforts. Et donc Nazgul qui va venir se placer en high ground. Pas nécessairement le meilleur high ground qu'il a en ce moment. Donc aucune vision sur le payload. On va aller voir le point de vue de Faceless God ici, pardon. Qui va tenter d'éliminer Mercy en premier. Arzik qui a été déplacé en haut. Et là, Nazgul qui a une position excessivement agressive. Loin derrière l'équipe. Et là, Nazgul qui va éliminer Oulilac. Moneymaker qui va aller chercher un premier kill avec son Reign of Justice. Et Bidets avec un double kill. Easy peasy. Va aller chercher Mercy et Soldier. Encore une fois, Bidets excessivement dominant sur le point avec son Roadhog.
qui va aller chercher les bons hooks. Et le Faceless God qui est très loin devant son équipe a évité un hook de justesse. Bidette avec le Whole Hog de près. On va aller chercher Faceless God loin, loin, loin. Le hook qui va aller jusqu'au bout de l'univers pour aller chercher Faceless God. Au bout de l'univers and donc, beyond. On est allé chercher également Godavid qui tentait de se cacher dans la maison. Le Bidette qui... Où est Nazgul? Nazgul qui, encore une fois, se place dans l'arche pour aller flanquer l'ennemi. Et on sera... Sneaky, sneaky. Oui, on va devoir sneaky, reculer sneaky. Par contre parce que on a eu vent de la stratégie et là, on se retrouve face à face avec 6 membres de l'équipe adverse. On va devoir reculer. On va éviter un hook. Bidette qui va être interrompu par le Earth Shatter. Et là, on a Faceless God qui est dans le backline avec le Tactical Visor. On va aller chercher le moins 3 du côté de Windstorm. Il reste Moneymaker et Moneymaker, Broccoli et Bidette. Bidette qui va en perdre sa vie à l'instant. Il reste seulement Broccoli et Moneymaker. Est-ce qu'on va réussir l'élimination complète? On va commencer par éliminer Max Akai. Ça s'en vient bien. On va être hook. Par contre, le beau hook de la part de Godavid. Qui va aller chercher Moneymaker en plein vol. Là, on va devoir... On lance le Whole Hog pour zoner. Pour essayer de garder l'équipe adverse loin du cart, loin du payload pour pouvoir avancer. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher le point? On a Lady Ska qui va être éliminée par Nazgul. Godavid va éliminer Bidette. On va perdre Broccoli. Et là, le moins 3 du côté... de Windstorm. Khazar qui est toujours en overtime. Est-ce qu'on va réussir à capturer? Malheureusement, Max Akai qui est allé trop haut dans les airs, qui n'était plus sur le payload. Et donc, la première ronde va se terminer 1-0. La première ronde de la deuxième map va se terminer 1-0. Donc, c'est maintenant Windstorm qui va attaquer et Khazar qui va devoir défendre. Let's go! Et là, directement, je dirais, on reconnaît la Pharah de Moneymaker. On va sortir le McCree et le Soldier. Donc, les deux hitscans, les deux DPS hitscans pour aller chercher la Pharah. Donc, il manque tout simplement un Zenyatta pour compléter le trio d'élimination sur la Pharah. On a une Mercy, par contre, qui va pouvoir damage boost. Donc, on a Soldier, Reinhardt, Mercy, McCree, Zarya et Lucio du côté de Khazar. Puis, du côté de Windstorm, on a la Divecom complète. Il manque juste une Tracer, mais on va la remplacer par Pharah. Donc, on a Genji, Zarya. On va switch pour l'instant le Genji pour une Widowmaker, probablement pour essayer de faire un premier pick du haut de la tour. Donc, je vais continuer la composition. On a donc Widowmaker, Zarya, Zenyatta, Lucio, Winston et, j'allais dire, le dernier héros qui a changé, Moneymaker qui a changé sur Tracer. Donc, si effectivement, suite à l'affrontement initial, on switch la Widowmaker de retour sur le Genji, on va avoir une Divecom complète. Et là, Moneymaker qui tente, qui est maintenant revenu sur la Pharah. Et donc, c'est parti. Nazgul qui tente d'aller chercher Faceless God sur le côté ici. Et là, on a Bidette qui est lancé, qui va se retrouver en plein milieu de l'équipe adverse face à Faceless God. On ne va pas réussir à l'éliminer pour l'instant. C'est parti, on saute en plein milieu de l'équipe adverse. On va descendre très bas en vie. Très, 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 très bas. Et on va être finalement éliminé. Donc, le premier kill qui va sur Bidette. Nazgul qui va rapidement éliminer Oulilak. Puis Moneymaker qui va aller chercher Kellan également. On va répliquer par contre avec un double kill. Donc sur la Zarya et sur le Zenyatta, pardon. Nazgul qui est toujours en bonne position. Le point est encore défendu.
On va se retrouver face à Faceless God. Le beau right click pour l'élimination. Et là, on a Nazgul qui est sur le point avec Broccoli qui vont se retrouver face à face à l'autre équipe. Les éliminations commencent à être plutôt lourdes du côté de Khazar. On capture le point pour l'instant. Est-ce que... On va aller voir le point de vue de Moneymaker qui va aller tenter de ralentir l'équipe adverse. Le point va-t-il être capturé? Le point va être capturé. Donc Khazar qui a choisi de reculer pour aller chercher une défense plus solide. Et là on a Moneymaker qui lance le Reign of Justice. Le premier kill sur Lady Ska. Va recevoir un Helix Rocket en pleine poire malheureusement. Donc un seul kill. Donc on se retrouve à 5 contre 5. On a Faceless God qui était en mauvaise position ici. Et le Bidetsky qui a le Primal Rage. Est-ce qu'on va le lancer? On va le lancer. On va se retrouver face à face avec Oulilac dans un corridor. C'est pas là où on veut. On veut se trouver face à un gorille en pleine colère. Et donc, Bidetsky va aller chercher avec l'aide de Arzik. Donc on va aller se positionner très très loin devant. Aller déranger l'équipe adverse. Pendant ce temps-là, le payload avance tranquillement. Donc on a ici un beau flank. Genji, Zarya, Winston. Le gravobomb est lancé. La tornade d'éclair, qu'on pourrait dire. Donc le Winston par-dessus. Et là, Bidet et Arzik qui vont passer au travers de l'équipe adverse complètement. Finalement, l'élimination sur Bidet. Par Faceless God avec le Tactical Visor, pardon. On a eu un GG qui a été lancé, effectivement, donc la partie qui va aller pour Windstorm. Donc le 2-0. Donc le deuxième point qui est marqué par Windstorm. Donc GG aux deux équipes. Oh là là, c'était un beau match. Bidets, player of the match. Effectivement, Bidets et Arzik. Donc on voit la tornade d'éclair ici. Thunderstorm. Le Thunderstorm qui est lancé. Et c'est encore une fois un double fight qui va être fait. Donc le res qui a été lancé. Mais l'élimination... complète des deux de l'équipe qui va être effectuée une seconde fois.